Également,
C'est la moisson des fruits de l'esprit. Je ne prends pas les portes.
je prends une décision de toi. Ça va venir pour nous. Je te choisis. Alors, où est-ce que tu as si je te choisis, parce que je connais. Ça, c'est la première fois que je vais vous dire. Je vais vous dire. Tous, nous sommes disposés à être baptisés du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 38 à 39. Et vous recevrez tout cela. Nous nous recevrons tous. Amen. Amen. Et quand tout cela se ferait, et quand nous tous seraient à commencer à expliquer, et quand nous avons dit que il dit dans 2 verset 16 à 6. Alors il dit ça va tout le monde va pas dire par l'île de la Nouvelle Jérusalem. Jean chapitre 2 verset 28. Il va changer de mon capot dit par l'île de la Nouvelle Jérusalem. Voici la mousseur à quelqu'un de Dieu. Comment nous le voyons? Comme ma propre nom. Par la paix sans dire de merci. Nous allons remercier Dieu. Pour que ça va tout le monde va dire sa parole. Pour la Nouvelle Jérusalem. Saint-Esprit, très puissant, merci.
révérend. Bonjour, bonjour. Vous êtes en direct sur la chaîne YouTube Les Amis de la Colombe. Vraiment, quelle est votre motivation à propos de ce que le pasteur Watson vient de nous prêcher? Au fait, il insiste sur la visibilité. C'est d'ailleurs l'une des missions, la plus grande mission, je dirais, que le Christ a donnée aux disciples, quand il a dit « Allez faire de toutes les nations mes disciples ». Mais c'est-à-dire rendre visible la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi il nous exhorte tous, membres de la deuxième communauté, à rendre visible cette parole-là, donc le matérialiser. Au fait, c'est ça le grand message que moi je retenais. Ok, merci. Vous pouvez vous présenter, vous êtes... AOG, c'est l'Assemblée de Dieu, n'est-ce pas? La plus grande église d'abord, c'est l'église de Dieu. Nous sommes d'abord de l'église de Dieu, c'est pourquoi vous verrez la présence de plusieurs pasteurs, quelles que soient les dénominations. Mais je viens précisément de la commune d'Ancelé, dans l'église, les co-héritiers du Christ, qui est aussi membre du AOG. Nous sommes tous enfants de Dieu, fils de Dieu, en Jésus-Christ. Merci beaucoup, mais votre nom? Moi, c'est Franck Ferdin Mukoka, pasteur Franck Ferdin Mukoka. Ok, merci pasteur. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mais il est tout à fait difficile de tout ce qui s'est passé. En fait, une synthèse à 30 secondes. Mais toujours est-il que nous sommes, c'est une des solennités, n'est-ce pas, une convocation solennelle que nous avons héritée d'Israël, de Dieu d'Israël. De sorte que nous avions dit que c'était cette fête qui est appelée la Pentecôte, c'est une des trois fêtes principales d'Israël. Et nous aussi, nous les commémorons. Pourquoi? Parce que ça tient lieu également de la naissance de l'Église. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et nous avons la mission, parce que nous devons être investis du Saint-Esprit qui était descendu lors de la Pentecôte sur les 120. C'est le même Saint-Esprit qui, aujourd'hui, il essaie de communiquer maintenant son onction, ses dons, et également ses grâces et le fruit de sa présence pour équiper son peuple et aller maintenant évangéliser le monde. Ok, vous pouvez vous présenter, vous êtes qui, vous venez de quelle église et votre nom, c'est important pour les gens qui vous regardent. Moi, je m'appelle Révérend Claude Watson Mounsoa. Je suis le surintendant des AOG. J'appartiens à la 12e communauté de l'église du Christ au Congo qui est appelée Assemblée Afghade en sigle AOG. Et je suis missionnaire de l'église locale appelée Nouvelle Jérusalem, église plutôt Nouvelle Philadelphie, église missionnaire Nouvelle Philadelphie, qui est située ici à Kinshasa, dans la commune de Matete, au quartier Malande, numéro 40 Bardé. Ok, merci beaucoup. Et Dieu bénisse. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous savez ce que mon ami? Comment on a la révérende Léontine Watson? Ok, maman, tout ce que l'on a maté, il y a pasteur Watson Dengatei. Na moni apesi valeur beaucoup plus na femme. Est-ce que yoko baksa nini à propos? Parce que l'église est belle, ça a vraiment ba responsabilité, t'es pas basi. Mais yé apesi bino vraiment valeur na bino. Pourquoi baksa nini à propos? Oh yé atei. Vraiment, ngai na koki koloba boye na kota la Bible. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Ce qui tolongoli connaissance tokope ko bakisa orgueil. Pour batu musu ba ko zala na connaissance, mais tellement orgueil wana za na kati nango azo mona tant orgueil ezale za ko mela connaissance. Parce que quand la Bible dit que dans les derniers jours je répandrai mon esprit. Je crois que baloba te que esprit wana ko zala ka likolo ya mobali. Esprit wana za petit na basi. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a l'obéité, je vais vous envoyer le consolateur. Et quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu seulement aux hommes seulement, il est venu aussi chez les femmes. Donc,
Les saints, quand nous voyons, ça concerne l'esprit. L'esprit ne travaille pas seulement dans l'homme. Il travaille aussi dans la femme. Donc, dans la femme, il y a le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il agit. Et nous voyons nous-mêmes que Jésus-Christ, d'abord, qu'est-ce que quand nous parlons de l'évangélisation, quand nous parlons de la résurrection, quand nous parlons de la bonne nouvelle, qui était la première personne à faire annoncer la bonne nouvelle? C'est la femme. Bon, elle a eu ce mandat-là chez qui? Chez Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, il est le premier à envoyer la femme d'aller proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Et la femme, elle est la première à proclamer la bonne nouvelle. Donc, on ne peut pas vraiment refuser à la femme de proclamer l'évangile. Moi, je crois que ceux qui refusent la femme à proclamer l'évangile, il y a seulement deux choses que j'ai bien soulignées, soit manque de la connaissance ou bien l'orgueil masculin. Mais en regardant sur le terrain, nous voyons aussi, il y a les femmes qui prêchent d'ailleurs mieux la parole de Dieu par rapport aux hommes. C'est ça, c'est que moi j'ai perdu. Ok, merci beaucoup maman. Je crois que Lucajour to solo lango vraiment en profondeur, madame Bolobi. Merci beaucoup, j'ai béni le Seigneur. Je vous dédie entre les mains du Saint-Esprit, que Saint-Esprit ape sabino boyebi makasi, ape sabino capacité, nako sala musalo na ndenge sengeli, pour que gloire nos saisons et pas à papa, li pambolez ale abino, biso peto zalaba bénéficiaire ya minene na tina nango. Merci beaucoup maman. Merci Mingi, parce que Bolandi Bisso, Naboke, Bibolani, Maramion sont éléki. Nabobo Sanapete Koloba, merci. Namoto Aza derrière la caméra, Namoni Christian Sono, merci. Nabos Nangaï, Makambo Pastor, ainsi que la famille pastorale Nyonso, na Allemagne. Je vous aime énormément. Bisso Nabino, Tomonani, Namikolo Zali Koya. Bye bye.